Coucou tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous présenter pour ma première vidéo mes livres Disney et Mystère. Donc voilà, on va commencer et je vous présente mon tout premier livre Mystère quand j'ai démarré le coloriage. Donc voilà, j'ai le tome 1. Alors, je vais vous faire voir. Oups! Est-ce que vous voyez bien? Je pense que oui. Donc voilà. Après, j'ai le tome 2. Alors pour démarrer le coloriage, franchement, j'ai adoré. Voilà, après j'ai le tome 3, Mystère Disney. Et voilà un petit que j'ai fait. Désolée pour la solution d'à côté. Voilà, je sais pas si vous verrez bien. Voilà. Je suis pas encore top pour filmer, mais. Je ferai mieux la prochaine fois. Donc voilà, on va passer au tome 4. Voilà. Alors quand j'ai commencé les mystères, j'ai commencé à colorier avec des crayons de couleur. J'aimais beaucoup. Et après, par la suite, j'ai voulu essayer les feutres parce que les crayons de couleur, en fait... Les crayons de couleur, quand on coloriait, en fait, les pigments se déposaient sur l'autre feuille d'à côté. Et c'était embêtant parce que la feuille, elle était tachée après. Même si on gommait, on avait tout, plus ou moins des traces. Parce que moi, j'estompais avec de l'essence sans odeur. Et au final, c'est beaucoup plus long avec des crayons de couleur qu'au feutre. Et maintenant, je colorie que au feutre dans mes livres mystères. Donc voilà, celui-là a été fait au feutre. Voilà. Alors maintenant j'ai le tome 7. Celui-là j'en ai pas fait, voilà. Après j'ai le Pixar de Disney. Donc voilà. Après j'ai le portrait Disney Mystère. Alors, tous ces livres-là, on les retrouve sur Amazon au prix de 12,90€ à peu près, je crois. Oui, c'est ça. Et le suivant, ce sera le Best of Grand Classique, qui regroupe tous les mystères que vous avez vus dans la vidéo. Donc, voilà. Là, j'en ai fait un. Oups. Non, vous n'allez pas voir comme ça. On va le remettre comme ça. Oui, ça sera peut-être un petit peu mieux comme ça. Donc voilà. Voilà. Après, j'ai le chat et félin. Voilà. Voilà, deux petits que j'ai fait. J'ai le Mickey Donald & Co. Voilà. Alors, je vais vous en faire voir un vite fait. Voilà. Après, hors mystère, je me suis acheté les 60 portraits pour commencer à colorier. Et à travailler les crayons de couleur. Donc voilà. Et je me suis fait Kiara. Voilà. Voilà comment. Alors c'était mes débuts. Maintenant quand je le regarde, je me dis je le ferai pas comme ça, mais bon. Après celui-ci, c'est comme un bloc en fait. Vous prenez votre colo.
et vous pouvez l'enlever directement et colorier directement sur votre bureau. Donc voilà. Après, je me suis acheté comme une grande folle le Disney de Thomas Kinkade. Alors ce livre, clairement, moi j'y vais pas parce que trop de détails, faut trop avoir de l'expérience dans le coloriage. Après voilà, pourquoi pas y retourner un jour. J'ai voulu essayer et je me suis dit, vas-y Aurélie, on arrête là. On le reprendra quand tu seras mieux pour colorier. Voilà. Je vous fais avoir une illustration. Alors lui, Thomas Kinkade, il fait tout à la peinture. Alors là, vous avez sa peinture à lui. Et après, voilà, on a le colo juste à côté. Donc voilà. Et après, je me suis acheté les vitraux Disney. Alors ce livre est superbe. J'aime bien. Alors ça se présente. Voilà, comme ça. C'est plein de petits carreaux. Je ne sais pas si vous allez voir. On va zoomer. Hops. Voilà. Et on colorie une case par une case en faisant un dégradé dans chaque case, du plus foncé au plus clair. Donc voilà. Et pour vous donner une idée, voilà. Oups, on va dézoomer. Voilà. Je sais pas si vous verrez bien. Voilà. Et après, dans dernier livre Disney, je me suis acheté les scènes cultes. Alors pareil, c'était mes débuts. Voilà, c'est vous avez le colo qui est ici. Et après, juste là, vous avez le diaporama du film par exemple, là c'est Ratatouille, et voilà. Et en fait, il y a les couleurs, et si vous voulez représenter, essayer de refaire à peu près les mêmes couleurs, vous le remettez sur le colo juste à côté. Ça vous donne des idées en fait. Et mon tout premier dans celui-là, ça a été. Voilà, celui-là. Alors maintenant, quand je le vois, je me dis, mince, t'aurais pu mieux faire, il n'y a pas de dégradé, il n'y a pas de... Mais voilà, c'est on fait et on apprend. Donc voilà, pour cette vidéo présentation de livre Disney, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo pour mes autres livres hors Disney. Et je vous fais de gros bisous et à une prochaine vidéo. Bye bye!